Au ministère de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, on évoque la remise du brevet et du titre d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en République démocratique du Congo à M. Adolphe Youé Onondo par le ministre des Tutelles. Un titre qui va lui permettre désormais de faire rayonner l'image positive de la jeunesse congolaise et d'encadrer cette catégorie censée assurer la relève de demain. Brevet d'honneur à Adolphe Youé Onondo, nouvel ambassadeur de la jeunesse pour la paix en République démocratique du Congo. Adolphe Youé a désormais la mission de faire rayonner la bonne image de la jeunesse congolaise et encadrer les masses de jeunes afin de leur permettre de contribuer au développement. En élevant Adolphe Youé à ce titre, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, sait que cette tâche va attirer l'attention de plusieurs sur l'ambassadeur Adolphe Youé qui jure sur la transmission de valeurs civiques à la jeunesse congolaise. Aider d'abord la jeunesse, c'est les accompagner dans leur parcours intellectuel. Il faut apprendre, il faut savoir. Et le civisme joue un grand rôle, le respect et surtout le patriotisme. C'est ce que je vais transmettre à la jeunesse congolaise. De ne pas être manipulé, d'être conscient. Le Congo est beau. Ce qui nous réunit ici, ce que nous avons en commun, c'est la République démocratique du Congo. La patrie, c'est notre maman. C'est ça la République démocratique du Congo. C'est la mère. N'est-ce pas, il dit qu'une femme, c'est dit que toute une nation. Aimer la République démocratique du Congo, c'est aimer l'avenir de la jeunesse congolaise. L'ambassadeur de la jeunesse pour la paix promet d'apporter également son soutien à la jeunesse congolaise et lui transmettre l'esprit du patriotisme. Je vais transmettre l'image et le patriotisme. Nous avons perdu cette image et le patriotisme. Patriotisme n'est rassemblé qu'à Bamboka, Nyon, Sanka et Alikamb. Ceux qui peuvent espérer en moi l'image d'un patriote, l'image de celui qui va commencer à les informer, l'image d'un jeune qui va les aider à entreprendre et pourquoi pas aussi à leur faciliter la tâche dans les différents domaines. Le nouvel ambassadeur Adolphe Youé est à la base chroniqueur musical, actuellement animateur de l'émission Face à la caméra sur B1 Télévision.